À la fin d'une année scolaire, le dernier, au fond, qu'est-ce qu'il sait? Nul en histoire, nul en grammaire. À quoi ça lui a servi de faire tous les affreux devoirs qu'il a faits? Il a jamais connu le bien-être du gamin qui sait ses leçons, ni le regard amical du maître qui sourit en disant son nom. Sur son cahier, il y a 500 tâches. C'est ce qui fait dire à ses parents, « À ce gosse-là, mais il n'y a que la cravache !» Quand on est bon qu'à faire des tâches, la cravache, il n'y a que ça qu'on comprend. Mais qu'est-ce que tu fais à l'école? Qu'est-ce que tu fais si tu ne fiches rien? Tu fais l'imbécile? Tu rigoles? Et de tout son cœur qui se désole, le gamin répond, ben oui. Mais il en a appris des choses. De la petite classe au certificat. Il sait qu'il y a des nuages tout roses vers 4 heures, pendant la leçon de choses, quand le soleil s'en va tout là-bas. Il sait ce que c'est qu'une ligne droite, une droite qui n'a ni d'A ni de B. Quand le soleil du matin éclate, il y a ces rayons qui font des droites, et c'est comme ça qu'il apprend, le dernier. Et puis lui, ce qui l'amuse, ce sont les mouches, qu'on garde captives, dans un bouchon. Les mots qui font drôle dans la bouche, tintinabule ou polochon. Mais quand prend fin l'année scolaire, à la distribution des prix, le dernier de la classe traîne sa misère sous le regard méprisant de son père. Et sa détresse est infinie. Mon petit copain, dernier de la classe, moi je sais que tu n'es pas le dernier. Et console-toi, les années passent. En voyant la vie face à face, tu apprendras que les meilleures places sont pas toujours pour les premiers.